Yaya YouTube, c'est Sean Kazma et Stan. On se retrouve aujourd'hui, jeunes gens, pour le 8ème épisode de notre aventure sur Bound. Et on est toujours au contrôle d'un hélicoptère. Et c'est moi qui gâche le jeu. Oh, ça va, si on peut plus rigoler. Alors, je pense que. Ah! J'ai fait n'importe quoi. Je pense que je l'aurais mis au bonus. On est allé explorer un petit peu la zone qu'on avait découvert à la fin de l'épisode précédent. On n'a rien trouvé de plus. Par contre, côté gravité, on a vu qu'il était possible d'aller sur cette espèce de gros ballon. Et on dirait un trou, le point jaune, mais je pense que ça se construit au moment où tu passes. On a d'ailleurs vu qu'il y avait une scène ici qu'on avait parcourue dans l'épisode précédent. Donc je te disais la salle en carré que toi t'as traversée, mais que tu t'en rappelles pas parce que t'es trop bête pour ça. Non, tu t'en rappelles pas. Chut. Non. Tu m'as dit deux fois, non mais je vois pas de quoi tu parles. Mais si. Mais non, je vois pas. Non, je... Bon bref. Et du coup, aujourd'hui, toujours acculé d'une pluie façon Sony, puisqu'il y a des petites icônes de Sony partout, on se retrouve pour la suite de notre aventure et sûrement la fin du chapitre. C'est donc moi qui vais prendre le ruban aujourd'hui. Le ruban toboggan sera pour moi. Le ruban bogan. Le ruban bogan. Le rubogan. Hashtag le rubogan. Hashtag le rubogan. Et je nage dans les champs de carottes. Tu peux faire carré pour aller plus vite. Carré. Ah oui, c'est... non, ça attends, c'est quoi carré? Oui, mais ça va plus. Alors pour moi, tu vois, le plus rapide, c'est de danser et de courir en fait. Ça revient au même. Tu vois, ça change c'est rien un en fait. Grand chemin, ah si, ça fait 10... Oh, je fais disparaître les carottes! Oh non! Les carottes sacrées! Les pauvres Kazma, ils auront plus de... Ah, je peux dessiner un zizi, attends. Oh putain! Non, je rigole, mais... Ouais, j'avais jamais vu! On fait disparaître les carottes. Très bien. Et ils repopent jamais, en fait. Regarde. On fait une coupe de cheveux à la terre. Très bien. Non, bah je... Ok, c'est sympa. Ça apporte rien, c'est ridicule au possible, mais c'est sympa. Est-ce qu'on peut passer le balai de la même manière? Moi, je crois pas. Ouais. Je suis pas convaincu que ça serve réellement à quelque chose. Bon, ça ressemble à un interrupteur, ça. Non, c'est pas ça. Ah, foutez-moi la paix! Foutez-moi la paix! Ok. Autre plateforme? Attends. Oh, pépère. C'était juste pour pas qu'on m'embête. Moi, je veux voir, là. Je suis sûr, on a loupé plein de trucs. Tu vois, t'es pas obligé de faire des grandes enjambées. Enfin, si, tu peux aussi faire des grandes enjambées plutôt que danser, en fait. C'est tout aussi rapide, et du coup. Tu traverses ça d'une autre manière. Dans une salle pour aller voler un truc, c'est avec tous les rayons laser. Ouais, c'est ça. Au bout du chemin, vous trouverez un coffre-fort. Le code est 307. Nous avons le code, maintenant à vous d'aller atteindre le coffre. Voilà. Les murs de Frestagada, ça passe tranquillement. On passe par ici, ça repassera par là. On est bien. Ah, on est bien. Bah, tout à fait. Voilà. T'imagines les systèmes de sécurité comme ça à base de danse. Oh, t'as vu? En plus, on m'a pété en fait le mur. On le traverse, après, il est plus là. Pauvre mur. Il a fini sa vie. Sa vie de mur. Bien. Bah, c'était sympa. Oulala. Oh non, ça j'aime pas. Là, je crois, tu vois, que c'est le seul truc que je ne peux pas voir dans ce jeu. C'est cette espèce de source de flammes en papier. Je supporte pas. Ah non. Ah non, je dis non. Voilà. Eh bon, on est épargné. Bon, eh bien parfait. Wow, on fait des actions, on monte du jeu. C'est cool en fait, parce que maintenant qu'on sait qu'on peut monter sur les ballons, on peut essayer des trucs. Il n'y a pas de passage secret. Un jour on trouvera un passage comme ça, je suis sûr, il y a un passage top secret quelque part. Qu'est-ce que c'est que cette grosse poutre? Attends. Je suis pas sûr que tu puisses y aller. Ah oui, j'ai par là. Non, je trouvais pas le ballon en fait. Suivant, du coup, je savais pas où c'est qu'on allait. Okay, on est la tête en bas là, si tu veux savoir. Ah, c'est bon. Ah, il y a le ruban là. Il y a le rubogan. Le rubogan, tout à fait. Hashtag rubogan. Il y a les collectables par là. Ça oui. Non, mais parce que je regardais le chemin principal en fait. Parce que même si on n'aime pas suivre le chemin principal, on regarde au cas où, tu vois. Au cas où ça peut mener à des trucs bien. Bon bah voilà. On a traversé tous les ballons et on a eu tous les petits collectables sans savoir encore une fois à quoi ça sert. à la fin on va avoir un score, hein. Ça va nous dire vous avez récupéré tant de trucs sur tant de trucs. Mais à ce moment là on se dira ah oui, ah, on a été mauvais. On a été sacrément mauvais. A ton avis j'y vais en courant ou... Bah je pense que ça me passe en courant. On dit que ça passe. Nye. Nye. Mais bon. GG. Parle-moi le mur.
Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut le dire qu'il a les boules? Ah, ouais. Ah non, t'énerve pas. Attends, danse, c'est danse, le héros. Danse. Non, c'est le. Si, c'est le héros. Si, c'est le héros lui. Hein. Ouais, on dirait. Il est pas aussi crochu, puis il a pas la grande bouche dangereuse. Mm. Mais c'est marrant parce que lui, il fait agrou, et en fait, ça nous fait rien. Tu n'es pas un vrai mâle. Excuse-moi, mais tu es le mâle bêta. Oh. Oh. Mais non, reviens. Petit frère. Tu lui as fait peur. Non, je pense que je l'ai fait pleurer. Il a pas apprécié. Mais non, attends. N'importe quoi. C'est drôle. Pourquoi on me laisse pas dans mon délire? Oh, c'est joli. Il y a une plaque, c'est une peinture. Mais pourquoi elle est colorée? Pourquoi elle est différente des autres? Ah, d'accord. C'est une peinture. C'est du contemporain, c'est le temps que ça se mette en place. Eh bah écoute, les passages en balloon, moi j'apprécie. Ouais. Je propose qu'on continue les passages en balloon. Bah, je pense que c'est l'atout du chapitre en fait. Ouais. C'est le chapitre des ballons. Attends, je suis où? Le gros ballon. Le gros ballon. Soit où, le gros ballon. Voilà. De quoi? Sinon, il y en avait un autre à droite, je crois. Ouais, là-bas. Mais je sais pas où il va. Je sais pas si tu peux y aller. Mon avis. Nya. Ah! D'accord. What? What? On est où là? D'accord. Alors moi je vais vous laisser la course. Ah! Je saute trop tard. Oui, je saute trop tard. La course de l'attraction. Si vous avez mal au crâne, nous aussi vous inquiétez pas. Mais elle veut pas sauter quand je lui dis de sauter. Attends. Elle court et elle saute trop tard. Mais elle saute trop tard. Attends. C'est compliqué. Ouais. Je suis en orbite. Mais non, mais on peut pas en fait, je pense. Non, je pense qu'il est trop loin. Oh, ça c'est quand même grave stylé. Non bah je suis déçu. Tant pis. Bon bah c'est une dernière. C'est une dernière. Tant pis. On ne saura jamais ce qu'il y avait du côté de ce ballon. T'as vu aussi, il y a un autre ballon. C'est il le ballon. Il est trop loin aussi. Hein. Mais oui, mais ils nous narguent ces ballons. C'est des ballons du narg. Non, c'est le guac. C'est le guac. Voilà. Et du coup, là, on est. Il y a un ballon tout seul là. Ouais, mais il a l'air de mener nulle part. Mais c'est un pauvre ballon sans ami. Faut aller le voir. Attends, déjà, je veux. Voilà. Revenir sur la plateforme. Bon. Ça fait du bien. Ouais, on s'en sort. Niveau. Wow. J'ai rien fait. C'est l'attraction. Ça m'a attiré tout seul. Attends. Tu viens de là. Oui, mais attends. Parce qu'en fait, on est dans un truc optionnel là. Ouais. Tu vois cette. Ah non. Ah non. Tu me laisses retourner sur. Oh, je vois rien. Oh là là. On est où? On est là. C'est bon. Non. Aïe. Mon crâne. Attends. Si vous comprenez rien, c'est normal, jeune gens. Non. Mais je fais rien. À l'aide. Il a bloqué le jeu. Non, mais c'est bon. Attends. J'arrive pas à revenir, on est où? Mais what? Oh putain. Mais non, mais je suis coincé. Rigole pas toi, c'est pas drôle. Je suis coincé. Je peux plus bouger. Mais non, mais je fais comment? Attends, je peux essayer? Attends, je vais essayer une dernière fois puis je te laisse essayer. Mais what? Attends, peut-être que si je fais. Non? Bon, bah tiens, je te laisse essayer. Parce que là, en gros, il y avait. Tu sais, le même passage qu'on a vu dans l'épisode 7, je crois. Genre, tu prends la porte et tu te retrouves dans un endroit complètement. Ah oui, en fait, t'appuies sur tous les boutons. Je sais pas, je voulais essayer voir si ça marchait. Ça marche que dans les jeux de combat en général. Merde! Aïe. Oh, mon crâne! Elle me brise le crâne! Non, mais sans déco. Oui. Mais waouh. Si tu restes appuyé sur courir, ça marche. C'est vrai? Oui. Plus jamais tu retournes sur cette balle. Tu t'approches même pas parce que l'attraction. Pas moi. Non mais je sais pas. C'était à moi de jouer d'ailleurs, mais. Oui. Je l'attraction, c'est. J'ai même pas sauté sur cette balle en fait. T'approches, je me suis approché. Pas. Mais oui, mais c'est. Ça m'a saoulé. Je sais pas, on a passé combien de temps dessus? 20 minutes? Oh non. Si. Excuse-moi, le temps il était à 55 minutes. Ah, je sais pas. Ah, si. On a commencé à 20.
Non, non, il était à 55 minutes. Attends, on a passé 20 minutes sur cette orbe. Bon, bah, du coup, je sais pas du tout où c'est qu'on en était. On a trouvé ça. Alors, ça, tu te souviens de ce que c'est? Bah, tu m'as dit que c'était un TP, mais... On en a déjà pris un. C'était celui qu'on a pris dans l'épisode 7, regarde. Je me souviens qu'il y a des TP, mais je me souviens pas qu'il y avait cette tronche-là. D'accord. Là, je me fais totalement guaquer, tu vois, parce que ça ne sert à rien. Peut-être qu'il faut l'allumer, non? Comme un portail de Stargate. T'approches pas trop de la bouboule. Non, non, je... Bon, bah, ça marche pas, ça marche. Bon, on bouge, c'est pas grave. Ah, les bouboules, elles m'ont... Ah non, non, mais c'était mes amis, c'est devenu mes ennemis en l'espace de... De 20 minutes, quoi, c'est incroyable. Tu sais que j'étais à deux doigts de recommencer le jeu, parce que on vous montre... Alors, là, vous verrez que ça, parce qu'on n'ira pas jusqu'au menu principal, mais on n'a pas de checkpoint. J'ai quitté, je suis revenu au menu, on est réapparu sur la boule. Ouais. J'ai failli avoir les boules. Genre, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Regarde le poteau en face, c'est le numéro 3. Ah oui. On l'a déjà vu, le 3. Mais c'est pas... je pense pas que ce soit des numéros, je pense que c'est plus des... Genre des codes ou un truc comme ça. Ah, donc tu crois qu'en ajustant tous les codes les uns envers les autres, on peut tomber sur un truc de ouf? Ah, intéressant. Bien, bah tu vois, comme convenu, on arrive déjà à la fin du chapitre. J'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus courts, non? C'est... Enfin, moi, c'est ce que j'ai l'impression. On dirait une photo d'amour, on dirait qu'ils se font des bisous. Ok, on est en train de se faire tuer par Haribo. Mais un ballon. C'est oh oui, il y a un ballon. C'est un ballon. Il y a un ballon, il y a un sol. Ah, il y a un truc qui est cassé. Ah non non non, d'accord. On est dans une chambre d'enfant et ceci est un circuit de voiture. Très bien, très bien. Et bah écoute, moi je. Il y a des pieds à droite là. Attends, je passe la speed. excusez-moi. Papa. C'est papa. Papa. Non mais je regarde parce qu'ils sont toujours habillés pareil en fait. Donc là on a papa. Papa qui a peur de quelque chose de plus dangereux. Ouah, c'est maman! Oh, c'est les perles, d'accord. Ah, donc les... Gada, d'accord, c'est un peu les perles. D'accord. Elle a menacé de se suicider ou alors il l'a étranglé avec. En fait, je pense que... Non, 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 je sais pas en fait. Elle s'est énervée, elle a fait du nunchaku avec son collier. je comprends pas la phase en fait, là. Je sais pas. Non, j'essaie de comprendre, mais... Non, bah je sais pas. Je pense qu'elle a cassé son collier par erreur et... Je sais pas, je sais pas. Par erreur ou parce que c'est un truc qu'il lui avait offert et qu'il s'aime plus, j'en sais rien. Une rupture. Une rupture. Ça semble à ça, hein. Enfin ça. Ouais. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Ah mais oui, c'est vrai, on peut courir. Attends, parce que du coup, moi je suis à la recherche des enfants. Les enfants. Ah, les enfants. Toujours en train d'espionner. Ils sont là. Bah, je pense plutôt qu'ils ont pas le choix en fait. Là, ils sont chez eux. C'est le seul endroit où t'as pas le droit de te faire déranger en général. Et là, c'est bataille dans la chambre. Ils ont une télé. Et d'ailleurs, dans leur bah oui, ils ont. Et puis même, ils ont une grande chambre. Bah, enfin, tu diras, ils sont deux, mais. Waouh, mais moi, avec une chambre comme ça, je me mets tellement bien. La mienne, elle fait la moitié de ça. Voilà, c'est. Tout ça pour dire ça. Waouh. On dirait, tu sais, les photos où il y a plusieurs photos qui sont prises en 360 degrés. Comment ça? Tu sais, t'as plusieurs appareils photo qui prennent une photo au même moment, du coup, ça fait une photo en 3D. Ah oui! Ah oui! Quand je bouge comme ça avec les paires, tu veux dire? Ouais. Ça coûte super cher d'ailleurs ces appareils-là. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Bon. Bah écoute, on continue dans le sinistre. La bataille au sein de la famille. Et on a de plus en plus d'explications. Donc les fraises Tagada, ce sont des perles de colis. Très bien. Et du coup, c'est en train de nous tuer! Voilà! Ce serait bien qu'on fasse quelque chose. Waouh, la pureté, on dirait des la atomes. Sainteté. On dirait quoi? Des atomes. Oui, mais en fait, on dirait que c'est en train de construire quelque chose. Ouais. Non? Ou alors c'est complètement aléatoire. Ah, peut-être. Oui! C'est c'est à moi! C'est à moi! C'est à moi de... Logan. Oh. Qu'est-ce que... On a béni les fraises Tagada. Regarde. Ouais. Les fraises Tagada sont devenues claires. C'est les saintes perles fraises Tagada. C'est joli. C'est joli. Je suis en train de tout casser. Bon, bref.
La descente. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Oh, ça, c'est mon passage préféré. Elle est vraiment jolie, la musique. Ouais, ouais. C'est super. Bah, franchement, la fin du chapitre, elle est vraiment pas mal. Elle nous suit, regarde. Ah, on les a distancés. Tant pis. Tant pis. On va essayer une autre position. Voir s'il y a moyen de faire quelque chose. J'appuie sur carré. Je peux te mettre assise. Sur carré, ça sert à rien. J'essaie de m'asseoir parce que je suis une grosse feignasse, mais j'y arrive pas. Ouais, ah ouais, c'est ça. D'accord, donc c'est que L2 et R2 en fait. Voilà. Donc, je suis une grosse feignasse, donc je m'assis. Voilà. Oh, à nous suivre de nouveau. Il y en a plein, donc. Mais c'est une armée. Regarde, on a purifié les fraises tagada de ce monde. Ouais, par contre, ça, les tentacules, c'est pas encore ça. Hein. Ça, ce sera le véritable ennemi de cette aventure. C'est... Oh, il a disparu. Quoi? Ah, mais c'est normal, le monde se déstructure autour de nous. Regarde, le monde se casse sa figure. Et toutes les perles qu'on a retrouvées, bah toutes, sans exception, sont purifiées. C'est beau. C'est beau. Par contre, le monde se casse toujours autant la figure, mais ça c'est bonus. Waouh. Oui. Et du coup, je pense qu'on approche de la fin. Bah, ça se voit, oui. Ouais, je sais pas si le prochain chapitre sera long. Et tu vois, du coup, comme je te le disais, on monte de plus en plus dans la tour. Je sais pas donc si le prochain chapitre sera long, mais à mon avis, on doit être à un ou deux épisodes de la fin. Ouais. Ça, c'est une chose qui est sûre. Bon, on va en savoir un petit peu plus sur qu'est-ce qui se passe quoi. Non, je regarde en dessous pour savoir si on peut voir quelque chose. C'est l'heure du couloir. Donc, alors, avec première image, on la connaît. Maman qui... Ah bah non, ça a changé. Ouais. D'accord, donc cette fois-ci, c'est maman et fiston qui... Mais c'est impossible. Oui, c'est impossible et improbable. C'est la petite fille. Ah, oh, c'est papa qui s'en va. Ah, c'est le... Oui, je pense que c'est le départ du père. Ouais. Ça donne déjà plus envie. C'est vrai. Ça plutôt que la pluie. Oh, c'est sympa. Ouais. Oh, c'est vraiment, vraiment... C'est dommage que l'eau soit tout le temps à la même hauteur et qu'on puisse pas trop traverser tout ça, mais... On dirait de la purée un peu. Wow. Elle a l'air toute douce. Oui. C'est beau. Flouk. Bien. Donc, direction le chalet. Direction le chalet, et du coup, je suppose que c'est la fameuse maison qu'on explore en photo depuis tout à l'heure. En photo en 360 degrés, attention, il y a du budget quand même. On ne rigole pas. Et du coup, on va avoir quelques révélations ou on doit d'abord avoir un dernier chapitre? Je pense qu'on a d'abord le dernier chapitre. C'est une feignasse. Non mais c'est vrai, 10 mètres et elle s'assoit quoi. Bon, et bah écoute, c'est le moment, chapitre final. Tout à fait. Et on s'arrêtera au début de ce chapitre. Bah, oui. C'est parti. Donc tu vois, on sait toujours pas d'où ça vient, on sait pas ce que c'est au final, mais comme convenu, on va apprendre ça dans ce chapitre. Et bah écoutez... J'ai pas compris pourquoi ils ne devaient pas toucher les tentacules et tout, enfin j'ai pas compris... Bah parce que c'est dangereux, ouais, j'ai pas compris ce que on sait pas encore ce que c'est, parce que regarde, ça nous attaque, on sait que c'est dangereux, tout va mal. Les fraises tagada, on savait pas ce que c'était avant d'avoir la photo. Ouais. Et du coup, on va l'apprendre aujourd'hui. Tout à fait. Bien, on se laisse ici? Bah oui. Et bien on espère que ça vous a plu.
On a encore appris pas mal de choses. On est donc au chapitre final. Est-ce que ça durera un? Est-ce que ça durera deux épisodes? Ça, on le saura dans le prochain épisode. On fait donc de très très gros bisous. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. C'était Sean Kazma et Style. À vous les studios. Ciao.